Ouais, ça fait du bien parce que d'abord parce que c'est un bon résultat, ça me permet d'espérer. Et ensuite, c'est une victoire logique. Donc elle est encore plus belle. C'est-à-dire que indépendamment des résultats, les derniers résultats n'étaient pas ce qu'on attendait. Mais en tout cas, on sentait depuis un certain temps une nette progression dans les occasions qu'on avait. N'étaient pas bien sûr finalisées, mais là elles ont été un peu finalisées parce qu'on a quand même pas mal d'occasions. Victoire méritée, vous l'avez dit, et qui s'est construit, on va dire, de façon progressive. On a senti une équipe messine qui était prudente, mais qui a su, en deuxième période, accélérer sur le bon tempo pour faire mal à cette équipe nantaise. Oui, une fois que Nantes est un peu sorti, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était une équipe qui jouait très défensif, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais on a quand même frappé sur la barre en première mi-temps. Hein. Voilà, on a eu quelques prémices, puis après, c'est vrai que ça s'est ouvert, parce que Nantes voulait gagner, ce qui est apparemment logique quand on joue à domicile. Et sur les contres, on les a punis, et on aurait pu même les punir un peu plus. Est-ce que c'est ce match-là, c'est un motif d'espoir pour la suite? On avait de l'espoir avant le match, donc je ne vois pourquoi on n'en aurait pas après. Je pense que c'est difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va abandonner quelque chose. Donc c'est difficile, mais on va tout faire pour réussir, même si ça paraît même impossible pour certains. On est là pour ça et on fera jusqu'au bout ce qu'on doit faire. On verra dimanche prochain, on verra la semaine, il y a encore beaucoup de matchs, il reste 10 matchs. Mais on sait que oui, effectivement, dans la situation que l'on est, que chaque match pour nous est devient de plus en plus important. Et faut accrocher une série maintenant. Oui, bon, on verra. Voilà, je l'espère. Voilà, c'est vrai qu'on a un match de dimanche, quel que soit l'adversaire, qui est important. Mais en tout cas, on va profiter de cette victoire et dès demain, réfléchir comment on va travailler sur Clermont.